Chercher le soleil sur les côtes espagnoles, par exemple, rien n'est moins sûr. La question des frontières fermées aux étrangers est toujours en suspens. Et pour les Espagnols eux-mêmes, le déconfinement total est encore bien loin. Écoutez cette mesure adoptée aujourd'hui et qui concerne les enfants et jeunes adolescents. Es que a partir del día 27 de abril, los menores de 14 años puedan acompañar a un adulto en las actividades que ya permite el decreto del estado de alarma. Es decir, estos menores de 14 años podrán acompañar al adulto con el que habitualmente conviven en desplazamientos para ir, por ejemplo, al supermercado, a la farmacia o a las entidades financieras. Alors, cette forme d'autorisation de sortie très limitée a le don d'exaspérer. Bonsoir, Henri de Laguérie. Cela fait 6 semaines que les jeunes Espagnols espèrent se dégourdir les jambes. Oui, parce que ça fait 6 semaines qu'ils ont interdiction absolue de sortir de la maison. Seuls les enfants qui vivent dans des familles monoparentales avaient le droit de les accompagner au supermarché. Alors, il y a quelques jours, le gouvernement avait promis un assouplissement. Il avait expliqué que les enfants pourraient enfin se dégourdir les jambes. Ce ne sera pas vraiment le cas, puisque cette annonce est tombée ici un petit peu comme une douche froide, même si c'est vrai que le temps fait penser à cette expression. Mais les enfants pourront donc seulement aller au supermarché, dans les banques ou dans les pharmacie, là où le virus circule plus rapidement que dans la rue. C'est une décision extrêmement difficile et dure à entendre pour les Espagnols, puisque 70% des Espagnols vivent dans des appartements. C'est d'autant plus dur quand on sait qu'on peut promener son chien sans aucun problème ici en Espagne. En tout cas, cette annonce a été très mal vécue par les parents qui l'ont dit sur les réseaux sociaux. Une pétition circule déjà ce soir et à 19h, eh bien, ici à Barcelone et dans beaucoup de villes d'Espagne, beaucoup de gens ont sorti leurs casseroles pour faire du bruit, pour exprimer leur mécontentement. Cette mesure fait l'unanimité contre elle dans la classe politique, puisque de la maire de Barcelone, qui est à l'extrême gauche, au chef de l'opposition, qui est à droite, tous demandent au gouvernement de renoncer à cette mesure.